On se retrouve aujourd'hui pour une séance renforcement des jambes et plus particulièrement des fesses, et tout ça, ça se fait au sol. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans Belle et Rebelle. Vous allez voir, cette séance est très sympa et contrairement aux apparences, elle n'est pas si facile que ça. Et en plus des fesses, vous allez ressentir un très bon travail sur toute la ceinture abdominale. Cette séance sera composée d'une multitude d'exercices que l'on va faire pendant 30 secondes, suivi de 10 secondes de récupération pendant lesquelles vous voyez l'exercice suivant. Je profite de faire un petit coucou à toutes mes abonnées fidèles. Et si vous êtes nouvelle parmi nous, alors pensez à vous abonner et surtout cliquez sur la petite cloche. Elle vous permet d'être informé de la sortie de chacune des vidéos. Je vous rappelle aussi que pendant cette période estivale, si vous avez de l'eau à proximité, alors soyez curieux et allez voir juste en dessous, dans la description de cette vidéo, je vous propose une formation complète sur du renforcement musculaire pour tout le corps, surtout les muscles profonds, et ça se fait dans l'eau. Vous allez voir, c'est totalement inédit. Ce sont des exercices de la méthode AquaActive dont je suis la fondatrice. En attendant, on est là pour faire chauffer les cuisses. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour les 30 premières secondes de ce tout premier exercice. Vous montez le bassin le plus haut possible et vous maintenez cette position, puis vous écartez et serrez les jambes. Si vous n'avez pas de petit chien qui vous dérange, gardez les mains bien à plat au sol. Prenez vos 10 premières secondes de récupération. C'est parti pour le deuxième exercice. On a la même position et cette fois-ci, vous allez lever la jambe droite et la laisser d'une manière fixe en l'air pendant ces 30 secondes. Vous remarquerez que pour cette séance, on va travailler les fesses et aussi le gainage. Seconde de pause, récupérez, soufflez bien avec le ventre. Allez, on y va pour la jambe gauche. Maintenez cette jambe bien ferme et tendue. Déjà, vous devez bien sentir vos fesses. Seconde de pause, relâchez-vous, détendez-vous. On enchaîne sur la même position, mais cette fois-ci, les jambes vont se lever à tour de rôle d'une manière dynamique. Je suis sûre que comme moi, vous sentez bien ce travail sur les jambes. Relâchez-vous, détendez-vous et en attendant, mettez-vous sur le côté. On appuie sur votre coude, une jambe tendue au sol pendant que l'autre est maintenue en l'air. Prenez vos 10 secondes de pause, le temps de changer de côté. Allez, c'est parti pour la deuxième jambe. Pour que cet exercice soit efficace, il faut avoir une jambe bien ferme. Très bien.
Relâchez-vous et changez de côté à nouveau. C'est la même position, mais cette fois-ci, la jambe va monter et descendre d'une manière dynamique. Comme vous l'avez remarqué, on alterne le travail en position fixe et en position dynamique. Le temps de changer de côté. C'est parti pour la deuxième jambe. Même travail que sur la précédente. On monte et on descend de manière dynamique. La jambe qui travaille est bien tendue. De pause, le temps de changer de position. On se retrouve à quatre pattes, en appui sur les mains, et vous allez relever la jambe droite, essayez de la maintenir dans le prolongement du dos avec des fesses bien serrées. Et on tient cette position pendant 30 secondes. Je sais que c'est pas facile tout ça, accrochez-vous, les résultats seront au top. C'est très très bien. Prenez votre pause. Respirez, soufflez bien. Relâchez-vous. Allez, on y va avec la jambe gauche. C'est parti. On sent bien le travail de gainage aussi. Relâchez-vous, détendez-vous, et comme pour les autres exercices, on va continuer de manière dynamique. Allez, c'est parti avec la jambe droite qui monte et qui descend. Allez, mettez du rythme et serrez bien les fesses. Ne creusez pas votre dos, gardez une posture très ferme. Secondes de pause et comme vous l'imaginez, on va changer de jambe. Allez, c'est parti avec la jambe gauche. Elle monte et elle descend. Tendez bien vos pointes de pied. Secondes de pause, on va continuer de manière dynamique sur le même exercice. Mais cette fois-ci, c'est une jambe après l'autre. Allez, on s'accroche, on continue ce super bon boulot. C'est très très bien ce que vous faites, vous devez bien sentir votre corps. Et je vous garantis que si vous faites ces exercices, même si les séances sont courtes, mais que vous les faites régulièrement, vous pourrez être sûr de le ressentir. Récupérez, soufflez bien, le prochain exercice n'est pas facile. Toujours en position à quatre pattes sur les mains. Cette fois-ci, vous allez remonter le genou sur le côté. 30 secondes, c'est long et c'est difficile. Accrochez-vous.
Très très bien, prenez votre pause. Ces instants de récupération deviennent de plus en plus indispensables. Profitez-en, respirez bien. Allez, c'est parti avec l'autre jambe. On maintient la position pendant 30 secondes. Si c'est difficile, concentrez-vous, respirez bien surtout. Ne bloquez pas votre respiration. C'est super. Récupérez, détendez-vous, relâchez-vous. Allez, on rechange de jambe et cette fois-ci, on monte et on descend de manière dynamique. Allez, accrochez-vous. Je sais que ça brûle, je ressens exactement la même chose que vous. Soufflez, vous avez bien mérité vos 10 secondes. Vous savez maintenant que c'est difficile. Concentrez-vous et on va changer de jambe. Allez, c'est parti. On continue le travail. On continue à s'accrocher. Allez, c'est une super séance que vous êtes en train de faire. Détendez-vous, c'est super bien. Décidément, je reste longtemps sur les parties qui font mal. Allez, on en remet une couche. Cette fois-ci, c'est dynamique, une fois à droite, une fois à gauche. Récupérez bien, vous avez super bien travaillé. On va continuer avec juste quelques petits étirements pour bien finir la séance et détendre les fesses qui ont beaucoup travaillé. C'est une position très facile qui ne sollicite pas le dos et qui étire énormément les fessiers. Pensez à bien respirer avec le ventre, ça va vous aider à mieux vous détendre. Pendant 30 secondes, je ramène mes genoux au niveau de la poitrine et je me détends le plus possible, surtout le bas du dos. Je vous félicite déjà d'avoir fait cette séance avec moi aujourd'hui. Bravo!
Je suis sûre que comme moi, vous avez vraiment bien senti le travail sur les fessiers. Dites-moi dans la zone de commentaires juste en dessous si vous avez aimé la séance et si comme moi, vous avez senti le travail sur les fessiers. Si vous avez des idées d'exercices, n'hésitez pas à les partager avec moi aussi dans la zone de commentaires. J'en tiendrai compte pour la construction des vidéos. Si vous avez encore de l'énergie et j'en suis sûre, je vous propose de faire cette séance qui complétera parfaitement bien celle qu'on vient de faire. Et si c'est fini pour aujourd'hui, pensez à faire vos étirements quotidiens. Voilà mes amis, abonnez-vous, partagez et surtout restez belles et rebelles. Je vous dis à très vite, bye bye.